Hey, bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo dépoussiérons sur Nintendo cette fois. Donc c'est la deuxième de la série. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai eu Nintendo en même temps qu'Animal Crossing. Donc c'était en décembre 2008. Et en fait j'ai voulu acheter la DS à la base, c'était vraiment pour ce jeu. Et du coup j'avais demandé le jeu aussi à quelqu'un d'autre, donc je l'ai eu en double. Mais ça ouais, celui-là ça a été mon jeu principal du coup. Donc voici Lulu, c'est mon dalmatien. Donc par contre ce jeu-là j'y joue vraiment plus du tout, mais alors plus du tout, plus du tout, plus du tout. Donc j'espère que comme enfin la façon dont j'ai mis la caméra, vous arrivez bien à voir les deux écrans. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez eu le jeu, dites-moi en commentaire. Mais moi ça a été aussi un de mes jeux préférés. Alors, crasseux, affamé, déshydraté et dernier repas croquette. Donc je pense qu'on va aller d'abord le nourrir parce que heureusement que c'est pas en réel parce qu'à mon avis nos chiens ils seraient morts depuis bien longtemps. Alors, nourriture en boîte. Oh, il est beau. J'y avais appris plein de tours, plein, plein, plein. Oh, il est gentil. Je pense qu'on va y donner de l'eau et après on va le laver parce que là... Oh, d'accord, j'ai cliqué sur laver directement. Bon, on va le laver tout de suite. Alors, bien sûr, après sur la 3DS, mon premier jeu c'est Nintendo plus Cats. Et quand j'ai vu les graphismes et tout, enfin que j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé ça juste magnifique sur 3DS. Alors, ce jeu-là, comment j'ai voulu l'avoir? En fait, j'avais pas encore la DS et j'étais invitée à un anniversaire. Et ma copine, c'était son anniversaire, elle avait une DS, elle m'a laissé y jouer. Et elle avait Nintendo. Et franchement, à partir de ce jour-là, ça m'a plu. Et je me rappelle, je me suis même créé une fausse DS en carton. Et sur l'écran, j'avais dessiné Nintendo, un petit chien. Pour vous dire, je voulais vraiment une DS. Et du coup, mon souhait s'est réalisé à Noël. J'espère qu'on va pas passer 3 heures à le laver. Ah non, c'est bon. Du coup, ouais, j'avais même fait un petit emploi. Quand j'ai eu le jeu, j'ai fait un petit emploi du temps pour... à cette heure-là, on va aller balader. À cette heure-là, lui donner à manger. Et je me rappelle, on pouvait se connecter avec mes cousines, on se connectait. Et ouais, je me rappelle, ma cousine a joué encore plus que moi. Et elle avait, comment dire, on peut acheter des maisons. Et elle avait des maisons, mais qui coûtaient. Point, point, point. Donc on va y donner de l'eau. Et après, je vous fais voir justement les maisons qui coûtent, excusez-moi du terme, la peau du cul. Décorateur d'intérieur. Je me rappelle, elle avait la plage, elle avait le bureau. Attendez, je vais vous faire voir. Là. Ça, elle avait ça. Le truc qui coûte 50 000 euros. Attendez, je vais vous faire voir. Hop. Je sais pas comment elle a fait pour avoir tout cet argent. Elle a dû faire plein de concours. Mais jamais j'aurais pu voir ça. Elle avait aussi le bureau. Vous voyez, c'est juste un petit bureau comme ça. Mais jamais j'aurais pu avoir ça, moi. Je sais, j'y passais des heures et des heures, mais pas à ce point-là. Alors, hôtel Wawa. Je vais voir si j'avais mis des chiens. Je pense que j'en avais quand même acheté. Prendre. Oui, j'avais Kikewet. On pouvait pas écrire Kikewet en entier, donc j'ai Kikewet et Lila. Tiens, je vais reprendre Kikewet. Mais ce que j'aime pas avec l'hôtel Wawa, c'est quand vous mettez un chien, il vous regarde votre chien comme si que vous l'abandonniez, quoi. C'est horrible. Je regardais. Affamé, déshydraté. Oh là là. Je vais remettre des croquettes. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous faire? Je pense qu'on va... On va pas faire de concours, parce que concours, c'est un peu... C'est un peu chaud. Obéissance, ouais, avec Lulu, je crois que j'avais été jusqu'au bout. C'était pas facile. Alors, info sur dresseur. Maître réputé.
Vous voyez, là, j'ai 14 000 à peu près. On va aller voir ma cousine. Wouah, 68 000. Voilà. Alors, vous voyez, ça date, hein, 2008. Ouais. 2008, 2010, 2009, 2010, 2011. Ah oui, ça, c'était avec mon autre compte. Alors, on va faire une petite balade. Je pense que je vais vous la mettre en accéléré, la balade. Alors, on va emmener Lulu. Donc, je vous fasse voir un petit peu en haut parce qu'ils sont en train de jouer. Vous êtes arrivé au parc, cette vaste pelouse est l'endroit idéal pour vous entraîner au disque. Alors, non, je vais prendre des jouets. Oh, les deux là, ils en ont peur. Oh, il s'appelle Orson, lui. Viens là, Orson. Oh, t'es beau ou t'es belle, je sais pas. Attention, 3, 2, 1, go! Oh! Mais non, mais ils ont peur. Ah oui, un truc trop bien, faut que je vous fasse voir, vraiment. Mais non, pas ça. J'oublie toujours qu'il faut faire la flèche, voilà. J'ai soit le cart de Bowser ou soit un hélicoptère radio guidé. Attendez, il y a d'autres trucs qui sont bien aussi. Ah, ça m'énerve! Attendez. J'avais enregistré un truc dessus. Attendez. Ok, personne n'a reconnu, mais c'était du Michael Jackson, voilà. Donc là-dedans aussi, j'avais des trucs bien. Météorite, navette, ours en peluche, poupée Lina. Je la trouvais trop belle. Petite poupée. Attention. Oh, oh, que j'explose pas ma DS. Ah. Rapporte Lulu. Allez. Oh, c'est bien. Tu veux la poupée? Tu veux la poupée? Cherche! Vous pouvez changer de vue, je crois, non? Oh, la musique, vous entendez? Ils ont peur. Lulu, il s'en fout, mais les autres, ils ont peur. Ouais, bref, voilà. C'était un petit aperçu de mes jouets. Donc on va continuer la balade. Et là... Je trouvais ça trop fun. Lui, il a des puces. Ouais, et quand par exemple j'avais un chapeau, ouais, du nouvel an. Oui, quand c'était le nouvel an, ouais, je me rappelle, je leur mettais chapeau de Père Noël, casque de pompier, casque de viking, chapeau de fête, couronne, chapeau pirate, le bonnet en laine, il est vachement gros. Bonnet, casquette Mario. Je sais pas si j'avais la casquette Luigi. Chapeau de paille. Béret, casquette bleue. Lunettes 3D. Bon, Lulu, ce serait bien qu'il se remette. Voilà.
Lunettes de soleil XXL. Ah, mais arrête de bouger, Lulu. Fleur de lys. Fleur hibiscus. Ah non, je l'avais pas, la fleur hibiscus. Ouais, bref, c'était trop mignon. Voilà, c'est tout pour ce dépoussiéron Nintendogs. Alors, dites-moi ouais, dans les commentaires si vous l'avez eu, si vous l'avez bien aimé, si vous y avez beaucoup joué. Parce que moi, oui, comme Animal Crossing. Et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo, les gens.